Bonjour et bienvenue à SmackDown Live. Aujourd'hui à Edmonton, Canada. Alberta, Canada. Pour ce SmackDown, le dernier avant le Royal Rumble. Et du coup, on commence direct avec Shane O'Mac. Ladies and gentlemen, please welcome your SmackDown Live Commissioner, Shane McMahon. Aujourd'hui, je suis là pour vous annoncer un match au Royal Rumble. Et je pense que la plupart d'entre vous l'auraient deviné, mais je suis un peu obligé de l'annoncer. Au Royal Rumble, ce sera Daniel Bryan contre AJ Styles for the Global Championship. Et bien évidemment, on aura le Royal Rumble match aussi contre Raw. Pour ceux qui disent que Survivor Series est la seule fois où Raw et SmackDown s'affrontent, c'est faux. Il y a aussi le Royal Rumble pour tous ceux qui l'ont oublié. Alors moi, je vous donne rendez-vous dimanche pour ce grand match entre Daniel Bryan et AJ Styles. Voilà Shane qui annonce le match. Et du coup, on commence avec un match. Enfin, voilà, premier match quoi. Et c'est directement avec le United States Champion. C'est un triple threat, hein. J'ai pris Finn Balor. J'ai hésité entre deux, mais je me dis, tant que c'est pas English qui gagne, ça va. Enfin, s'il gagne, c'est même pas grave, sauf s'il pousse l'autre. Encore si Finn que je joue, ça va. S'il pin l'autre qui arrive, c'est un petit peu faible, tu vois. Oh nice. Roman Reigns. Roman Reigns, the guy. There's no such thing as a cakewalk here in the WWE.
Du coup, c'est parti. Oh, il est en English, non. Roman Reigns qui l'avait vu venir. Oh, Finn Balor with the steel chair on Roman. On a triple threat match like this. And with the famed North Saskatchewan River flowing outside, we're ready to go inside with what promises to be a great match. How about we touch on Finn Balor a bit? Tell us, what do you think we can anticipate seeing from him in this one? Oh, Finn Balor, no, he didn't English. Squaring off for quite some time now, Cole. With a leg sweep. It's like these where he just hopes he worked hard enough, long enough to get the victory here. The face is and a drop kick. Punishment right now. It might be a good idea to get those arms up. English Irish whip. Oh, sent out. English from behind of the suplex. Covered. Kick out right away. Yeah, it's gonna take more than that. Oh, Finn with the drop kick. And now he goes for it. And again. Oh, and now the steel chair on Aiden English. In a triple threat match, the dangers of this triple threat match appear to have escalated quickly on him, and this has all the makings of getting out of hand fast. He better be careful. You seem more motivated than ever heading into this match. English with the reversal. He still has plenty of fight left in him. And Finn Balor. Reversal by Finn Balor. Not where he wants to be right now. Yeah, you're not going to win many matches when you're down. Roman Reigns, no, Finn. Now there's with a reverse DDT. And English. Reversal. With another leg sweep. Ferocious. It's like someone hit the repeat button for this move. He doesn't want to do this outside the ring. Here go Roman Reigns. The power. Power bomb. Finn Balor. This is a dangerous spot for him to be here in this triple threat match. He's got to be careful here. While he hasn't absorbed Reigns of a close line. Yet, triple threat matches have a way of getting out of hand very quickly. Yeah, wait for the Superman punch. Guys, Finn Balor. One for the 1916 Roman Reigns. With a moment of silence. Reigns going for the spear. Spear by Reigns. He might have just ended this. Finn Balor is definitely fading a little here. He's starting to feel the pressure of this triple threat match, guys. This might be it. And the kick out. Kick out won by the United States champion. And Byron, he's still down after that one. Yeah, that did some big time damage, Michael. And English got him there. Aiden English. Facebuster. C'est dégueulasse un peu ce qui s'est passé là. Wow, I'm just as if he could pin his opponent right here. Wow. What a decisive victory for Aiden English. Just incredible. Oh, focus. Ah, je suis deg. Parce que j'ai fait le retour, sauf que ça a bugué. J'ai appuyé sur retour. Il a commencé à le faire. Ça a bugué, du coup, il a fait son finish. C'est un peu dégueulasse, hein. Mais bon, c'est pas grave, comme j'ai dit. Si j'avais été Roman Reigns, j'aurais peut-être recommencé. Ça pousse un peu l'United States Champion. Faut bien qu'il ait des wins, hein. Faut pas que ce soit un champion sans victoire. C'est un peu dégueulasse. Et du coup, Aiden English qui remporte quand même sa victoire. Et du coup, on continue ce SmackDown Live.
avec un rematch de la semaine dernière ou de la semaine d'avant, je me rappelle plus. Mais en tout cas, un rematch. Je crois que c'était la semaine dernière. C'est juste pour moi, c'était la semaine d'avant. Enfin, pour tout le monde, en fait, ouais, la semaine d'avant. C'est la semaine dernière dans le jeu. Pour nous, c'était la semaine dernière. Pour le jeu, c'était la semaine dernière. Je crois. D'abord, il lui avait fait un nouveau titre à AJ, c'était il y a deux semaines. Enfin, c'était avant Clash of Champions, donc c'est la semaine dernière en fait. Et c'était avec une rayure noire au milieu, et ils l'ont déjà enlevé. Je sais même pas pourquoi ils ont fait ça. Avant que ce soit une réplique. Du coup, voilà Drew McIntyre, qui était son adversaire, qui a son rematch. Accompagné par Daniel Bryan. Du coup, AJ, Drew McIntyre, la revanche avec Daniel Bryan dans le coin de McIntyre. Parti avec le Colonel Bow direct en mode German. Oh, face first. Here we go. Headlock. Down headlock now. Oh, and AJ. Code of silence. Presque, c'est pas ça. They're struggling for control right now. Tell us about AJ Styles. What in your opinion can we all expect takes him down to one knee. Well guys, we are in for an amazing match here tonight. AJ, right on the arm. If I so much as hear one of you mention soccer mom haircut, I'm gonna slap your headset right off. I agree, and the crowd seems to be backing him here. So oh, and McIntyre comes back to it. Drew McIntyre got him there. Here we go. Oh, what about this belly to belly? On est sûrement à Rogers Place là, même si le jeu s'en fout complètement du nom de l'arrêt. On est sûrement à Rogers Place hein, étant donné qu'on est à Edmonton. Oh, DDT. Et que souvent. Souvent quand c'est Edmonton, c'est enfin souvent quand c'est dans une ville, c'est dans les arènes de hockey s'il y a une équipe de hockey. Et l'équipe de hockey des Oilers, c'est un peu à Rogers Place. He's getting after it while he has the energy. Smart move. Oh, AJ showing off. He's in a tough spot here, Corey. And if he doesn't get up, it's gonna get a lot tougher. Genre si on était à Boston, on serait sûrement à TD Garden, hein, comme c'est comme c'était là-bas à Clash of Champions. Oh, AJ, Ushiguroshi. Oh. AJ, getting set up. AJ Styles is phenomenal forearm. Can't waste any time. Covers. His shoulders are down. Kick out by Drew. What a kick out by Drew McIntyre. Par contre, quand je suis allé à SmackDown, c'était pas la T-Mobile Arena, c'était à l'arena de l'université. Mais Raw, ça y était, Elimination Chamber, ça va être aussi la T-Mobile Arena. Voilà.
Peut-être qu'il y avait un événement ce jour-là plus important. Parce que je pense que ça nous l'aurait mis à la T-Mobile Arena. Attends, j'arrive pas à trouver un autre nom d'un. Si, si c'est à Denver, ça doit être aussi dans le Pepsi Center. Bah, à Brooklyn, hein, évidemment. À Brooklyn, ça doit être aussi à Barclays Center, comme d'hab. Hein, ça, c'est souvent dans le 25ème de rang encore, là, à Brooklyn. Encore. Oh, what a headbutt by Drew McIntyre. À New York, par contre, New York lui-même, MSG, je pense. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de show. Oh oh, McIntyre. À Madison Square Garden, ils sont tous en live. Oh, here it is, the big knee, the high knee. Cover. Oh, kick out by AJ. Donc ouais, je pense pas. Si à Montréal, ça doit peut-être être le Centre Bell, Toronto Air Canada Center. Je crois que c'était là-bas en plus sur la cerise l'année dernière. Oh oh, again. Ushiguroshi. Cover. Oh, kick out again. I can't believe it. He just won't go away. He's not looking good here, Byron. No, he's got to get up and he's got to get up. Rogers Arena à Vancouver aussi. Staples Center, évidemment, c'est toujours à Los Angeles. Oh, blockbuster. Oh, here we go. Bunt for the Styles Clash. Toujours au Staples Center. Oh, he's gonna get it. Yes, Styles Clash. Cover. Got him. Et AJ qui le rebat. Il a encore réussi à passer un high knee, hein. McIntyre. Et du coup, j'en souffre pour le handicap match. Le main event. Shit. Sur SmackDown. Sont bons, petit chien. C'est parti pour notre main event, hein, comme d'habitude. Ça fait déjà un mois que c'est comme ça. Que le main event est le même. 4 semaines. 5. En vrai, 5. Ah non. Si. Si, si, si. Single Arizant qui et aussi les deux seront dans le Royal Rumble match. Ça c'est officiel. Dean Ambrose et Randy Orton. Burn it down. Seth Rollins. Why do you sound so excited?
Et juste pour info, je vais pas leur mettre leur veste. Hein. Je suis pas fan de leur veste. Je préfère leur mettre le t-shirt. Oui, je le sens encore en entier parce que... Ah, tellement courte, hein, franchement. Du coup, c'est reparti pour un 2 contre 1. Ah mince, Seth. Ah ouais, c'est vrai. Attends. Oh, Seth Rollins and Randy Orton teamed on Dean Ambrose. Seth, il est souvent torse nu de toute façon. Mais quand il a un t-shirt, je crois qu'il le porte, quoi. Oh, and now, this time it's Dean and Seth teaming up. Mais tout à l'heure, ils sont tous les deux attaqués à Dean, hein, alors que sont la même équipe. Ah, n'hésitez pas à me dire, hein. Est-ce que je devrais lui mettre son t-shirt à Seth? Je pense que oui, quand même. Parce que quand il a un t-shirt du Shield, en général, il le garde. Oh, Dean Ambrose missed the dropkick. And Orton. Ooh, Seth Rollins is flying! Oh, there we go. Suplex from Dean. Oh, Randy Orton. One of the toughest, most unpredictable superstars in sports entertainment. Oh no, clothesline by Dean Ambrose. Ambrose will do whatever is necessary to pick up the win. Fireman's carry. There's a lot of different ways this can go, Byron. Yeah, and the snake eyes. He's stalking his opponent from the top. Seth Rollins on the top rope. Dean Ambrose on the second. Oh. This time is Dean kind of attacking Seth. Parce que par contre, Roman, il arrive avec le t-shirt, mais il l'enlève. Enfin, en général, ils l'ont tous ce t-shirt pendant la rentrée, mais après ils ont leur veste. Dean, il a toujours quelque chose, donc je préfère lui et son t-shirt ce soir. Roman, je lui ai mis le t-shirt pour l'entrée, mais pas, enfin, juste cette nuit pour le reste. Alors Seth, je pense que je devrais quand même lui laisser le t-shirt. Enfin, in this handicap match, but if you're counting him out now, you haven't been paying attention. He has more resolve than just about anybody on the roster. Uh-oh, Dean Ambrose. Oh no, forearm. Oh, this is a lunatic lariat. This just might be enough for him to take the victory here. Randy Orton got the worst end of that stick. Going for the DDT. Randy Orton does. Oh, reversal. Wound him up, but he's off and running. That strike definitely found its target. Snapmare. Oh, the eye rake. Oh, here we go, Dean Ambrose. Has him right where he wants him. Dirty Deeks. Oh no, the double kick. Uh-oh, here goes Schoolboy. Super kick. But he's running on fumes here. Does he have enough? Oh, but Randy Orton can still stand. No. He cannot. That'll change his posture in a hurry. Oh, what a knee drop from Seth Rollins. Oh, here go Seth. Ripcord knee strike King Slayer. Cover by Dean Ambrose. Got him. Et bien évidemment, Seth qui laisse le tomber à Dean Ambrose. En tout cas, j'espère que ce SmackDown Live vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher le like, le commentaire et surtout de vous abonner. Moi, en tout cas, je vous dis soyez là dimanche vers à peu près 20h pour le Royal Rumble. Donc le 24. Voilà, le 24 on se retrouve. Voilà, ça c'est le 24. Et...
Non, mais attends, on se retrouve pour le Royal Rumble. Ça sera plutôt long parce que le Royal Rumble prendra déjà une heure à faire à peu près. C'est souvent ça. Du coup, moi je vous dis, soyez là pour ce gros pay-per-view. Allez, ciao. Et aussi, juste un petit ajout, Randy a perdu ses 3 matchs handicap. On va voir s'il peut, pour la revanche, gagner sur Royal Rumble.